Bien, salut tout le monde, c'est Sycomore, j'espère que vous allez bien, et oui, toujours le même t-shirt, c'est normal, je tourne à la suite pour avoir toujours plus de jeunes sur la chaîne, d'autres let's play vont arriver également, je n'en dis pas plus, là, on va affronter le Ronflex, on va jouer un petit coup de flûte, on va vérifier, on est quasiment full vie, ça devrait aller, et c'est parti pour réveiller le Ronflex, à coup d'une flûte qui endort quand même un petit peu. Ronflex se réveille, il est tout grognon, il nous attaque, et oui, et si on peut avoir un deuxième Ronflex, on va pas s'en priver. On va clairement pas s'en priver, on n'a pas fait de capture dans cette zone. Donc c'est parti. Poudre dodo. Là maintenant, il va falloir l'affaiblir à coup d'acide. Essayer de faire ça le mieux possible. Et pourquoi pas si on peut bien diminuer sa défense. Il faudra faire attention aux baisses de défense également. Ok. Il dort toujours. S'il se réveille, il n'attaquera pas. Il perd en def. Attention. Il perd en def. On va faire coupe, c'est pas stabé. On a eu chaud, avec le crit on a eu chaud. Alors là si on le capture dès la première bol. 1, 2, 3. Pouh. Eh, trop facile, on aurait pu faire ça dans l'épisode précédent, ça a pris 2 minutes. Ça a pris 2 minutes, même pas. Un jeu d'enfant. On va l'appeler diabète. Non, je sais pas. Diabète, non, je suis pas forcément fan. Glucose. On va l'appeler sucre. C'est du sucre. C'est comme du sucre, mais avec... avec le haut. C'est du sucre. C'est sucre. Bon, bah c'était assez simple. On va couper cet arbre avec Raflesia. On va récupérer vol. On va voir si je garde ou pas Nosferatu. Alors, là, il me semble qu'il y a des dresseurs qui sont plutôt bons. Ah bah non, pas de dresseurs ici. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bah j'ai coupé. Oh, t'as trouvé ma cache secrète. Prends ceci en échange, ne dis rien à personne que tu m'as vu. En fait, c'est une terroriste. Elle vous permet de revenir dans une ville. Bien pratique. Eh oui, Jamy. Alors. On va prendre vol. On va voir si Dracula peut la prendre. S'il la prend pas, on va pas être copain. Il la prend pas, on va pas être copain. Il se peut que ce soit la dernière fois sur le layout que vous voyez Dracula. Hein. Moi, je pourrais prendre un autre glucose. C'est vrai. Enfin, un sucre. Je pourrais prendre sucre. On va se mettre vraiment bien. Mais après, ça ferait vraiment doublon. C'est au cas où on perd glucose, on a sucre. Je vois vraiment les choses comme ça. Parce qu'après, sinon, je pourrais me faire deux Nidoking, deux Léviator et deux Ronflex. Et niveau diversité, c'est pas ouf. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc là, on va les soigner un petit peu. Puis on va partir à Safrania. On va faire... je sais pas ce qu'on va faire. Je commencerai bien la Sylphsar. Mais je sais plus vraiment comment on s'y prend. Donc, de toute façon, on va affronter un max de dresseurs. À bientôt. Allez, salut Choupette. Donc, direction Safrania. Je sais pas, genre, si tu peux faire le 7ème badge et après faire ce qui se passe à Safrania. C'est possible, je pense. Je pense que c'est possible. Donc la team Rocket sévit. Qu'est-ce que tu veux, du vent? Donc on va faire ça. Avec cette musique. Ah, cette musique. Toujours remplie de nostalgie. Puis là c'est bien parce que ça fait jaune, ça va avec le fond. Ouais, tout est beau.
Hé, hey, petite tête, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me promène, hein. Je me suis dit, je vais rentrer dans un grand bâtiment, comme ça, 5 Pokémon, putain... Niveau 25, ok. Ah, méga sensu, j'ai cliqué trop vite. Allez, hop. On accélère un petit coup. Ultrason, on va changer, on va amener Newton. Faut savoir que, bon, comme je tourne tout à la suite, ça fait, fait une heure que je suis sur un tabouret pas très confortable. Je tenais à vous préciser. Ok, éclair. Je vous montrerai peut-être le tabouret à la fin de l'épisode. Dans ma générosité. Ok, donc éclair, normalement, ça met des KO quand même. Parce que sinon, on va revoir toute l'équipe à cette allure-là si ça n'était pas KO. Fais appel à Nosferatu, ok. Ah, il se sent mieux, tu vois, ça me rassure. Tu vois, un petit peu de menace et hein, tout de suite, ça va mieux. Et dire qu'ils sont censés être nos amis. Allez, on continue. Nosferatu qui tombe. Si on peut les mettre niveau 40, c'est pas forcément mauvais. Vive attaque, ça échoue, y a pas de souci. Ça tue pas. Mais en même temps, c'est éclair, c'est ça le problème. Mais bon, ça je le dis, je le dis, je le redis. Voilà. Et on achève notre Nosferatu naturellement. Alors, oups, j'ai perdu. J'aurais bien fait le dojo avant, mais si je fais... En fait, je pensais vraiment que la capture de... Oh, zone privée, dégage. Ah, je pensais que genre, toi, t'allais être gentil, mais non. Je pensais que la capture de Ronflex allait une nouvelle fois durer 10 minutes, 15 minutes, et là, ça durait... Ça durait 1 minute 30. Donc, je voulais faire ça, la capture plus le dojo, avant de faire la sylph, mais c'est pas trop possible. Donc du coup, bah on fait directement la sylph, on fera le dojo après. Hop, méga ascension, on va récupérer notre vie. Pétale qui est quand même relativement utile face aux scientifiques de la Team Rocket, pas forcément aux sbires, hein, parce qu'ils ont... Ah, c'est désagréable ce bruit. Ouais, ça va, la différence de niveau, je suis évolué. Tranquille. Par contre, explosion, j'aurais peut-être moins fait de mariole. Magnéton, ok. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va me paralyser. Je sens qu'il va me paralyser, coup critique. Ah non, même pas. Mais coup critique quand même. C'est tout? Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, on va l'achever là, normalement. Eh, c'est vraiment la déception. Pff. Attention, moi aussi, je vais encore employer les menaces. Alors, concernant la substance, je sais qu'il y a genre un truc qu'il faut prendre au deuxième étage qui t'amène au... Il faut d'abord aller au 4, ensuite au 6. Un truc comme ça. Hop. Draculol, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Vous n'allez pas m'en vouloir, mais j'ai plus envie. Et vous me l'avez conseillé aussi. Eh, pas de gnoche ici. Alors, Rocket veut se battre. Il fait appel à Osley. Ok. Par contre, si... comment dire... Si Dodio peut pas prendre vol, je prendrai peut-être Rapace des Piques. Alors je sais, j'ai encore Mini Draco, mais Mini Draco, ouais, c'est vrai que c'est quand même ouf d'avoir un tel truc, mais ça demande quand même masse de temps à XP pour avoir, bon, à ce stade-là, un Draco. De quoi tu fais une folie? Voilà, boum. Par contre aussi, j'ai pas pensé, mais on va récupérer masse d'objets. Et je pense que le sac il va pas supporter. Le sac il va pas supporter. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer directement vous savez la carte magnétique pour ouvrir toutes les portes. Ça je sais où aller, elle est au quatrième étage. Donc on est au deuxième. On est où là? 3.
Ouais, c'est ici. Non, c'est pas ici. Donc il nous manque encore un étage. Comme ça, on va pouvoir ouvrir toutes les portes, récupérer tous les objets. Bon, je sais pas s'il nous voit, lui. Ah ouais, mais comme il y a un téléporteur, ça va pas passer. Oh non, on va se tromper. Ok, le Rocket veut se battre et fait appel à Hypnomad. Il est au 33. Bon, on fait Amnésie par précaution. Ok, l'autre était niveau 38, souvenez-vous, mais quand même. Allez, la force. Que la force soit avec toi, oui. Et on achète les problèmes, tranquille. Mais ça va, c'est quand même relativement diversifié, le Poké de la Team Rocket. Nosferapture, Atata, Hypnomad, Magneton, il y a du choix. C'est un rapport sur le Pokémon. 4 Pokémon n'évoluent que s'ils sont échangés. Gravalanche, Spectrum, Kadabra... Mince, attends. Spectrum, Gravalanche, Kadabra et Machopper. Bah pour les morveux ici. Un jongleur. Un jongleur. Que fout un jongleur dans un bâtiment aussi sérieux et scientifique que la Simsar? En plus, qui plus est, dans une attaque de la Team Rocket. Hein. Lui, c'est bientôt, tu vas voir. Fillette, Jean-Claude veut se battre. Je peux pas comprendre. Lui, c'est pas vraiment des lieux appropriés. Monsieur Mime, ah, c'est original. Moi, j'aime bien Monsieur Mime. Plus, on a eu Mime Junior dans cette CPFLC. D'ailleurs, dites-moi si vous qui regardez le Let's Play, suivez les compétitions comme par exemple la CPF ou... la compétition, ou si vous allez suivre la prochaine compétition qui est internationale, entre guillemets, oui, parce qu'on va jouer avec face à des Américains, tout ça, est-ce que vous suivez un peu tout ce qui est stratégie sur la chaîne? Savoir si j'ai vraiment deux publics différents, ou si j'ai un public qui regarde tout finalement. Tu vois, c'est la question du jour, on n'a pas fait des petites questions du jour avant, eh bien on va en faire une là, mais qui plus est importante. Alors, glucose... Sonic Boom, attends. J'ai 230 PV environ. À 100 PV près. Donc c'est pas un Sonic Boom qui va me faire peur. Magneton. Il fait appel à Smog. Ok. Plaquage qui fait le taf. Hein. Plaquage fait définitivement le taf. Et on monte niveau 37. Smogogo. Pire, je ferai un petit repos suivi de... Voilà, en plus on est empoisonné. Suivi de la Pokéflûte pour soigner. Non, c'est que 10 PV là, tu vois, c'est pas méchant. Lui, il en retire 5, ça fait 15 PV dans le tour. Y'a pire quoi, Sonic Boom faisait plus de dégâts. Appel à Magnéti, ok, parfait. On est plus rapide. Ok. Comme ça, ça évite de faire des allers-retours. Et on profite toujours du son de la Pokéflûte. En plus, c'est bien, c'est gratuit. On paye pas de réveil. Parce qu'à 250 boules le réveil, hein, c'est cher d'être dresseur. Ok. On bat le scientifique. Paf, je suis mauvais. Ok, il faut ouvrir la porte pour avoir les objets. Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Rocket veut se battre, il fait appel à Rock. Ok, on fait la plaquage. Une petite paralysie ferait plaisir. Non, pas de paralysie. Là, tu vas voir qu'il va avoir le poison pour 10% de plus. Non, même pas, c'est super. La force, Arbok, et j'ai plus de souffle. Et voilà. Ah, c'est sportif hein, de faire des let's play. Hein. Nuzlocke, tout ça, tout ça. Ah, c'est sportif. Hop. Donc là, on récupère la petite carte.
On aura un épisode plus long, je l'annonce. Les deux prochains épisodes seront plus longs. Bon, on va peut-être faire le quatrième étage. Pour récupérer uniquement les objets, on obtient la CT-09. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Bélier, c'est intéressant. Tout le monde peut l'apprendre, même Draculol. Ça pourrait redonner un peu d'intérêt à Draculol. Mais non, j'ai pas envie de lui apprendre. J'avais pas que tout le monde pouvait apprendre Bélier dans cette génération-là. Dommage que ce soit pas une attaque stratégiquement plus intéressante, parce que ça pourrait permettre à d'autres Pokémon d'en profiter. On obtient de la prot, ok. On va l'utiliser sur Glucose. Heureusement, tu peux mettre ça à fond. En illimité. Tant qu'il est pas niveau 100. On va descendre. Donc ici, c'est l'étage 3. Et on va utiliser un peu Alpha. J'ai envie d'utiliser Alpha. Ouais, je t'ai vu. Attends, j'arrive. Contact. Intrus détecté. Alors. Il en a 3. Fais appel à Abo. Ce serait bien qu'on ait le séisme avec Alpha. Je sais que c'est Giovanni qui donne séisme. Il donne... Non, je crois qu'il donne à Bim, Giovanni. Il donne même pas séisme. Je sais pas quand on apprend séisme. Mais ce serait bien de l'avoir. Parce que ça donnerait une puissance de frappe supplémentaire à Nidoking qui serait pas négligeable. Et de 2... Et non, pas de tonnerre pour toi. Allez, on fait mania. Je sais pas si ça va mettre KO. Non, pas du tout. Là où Slim fait séisme et je pleure. Parfait. Et on a battu le Rocket. Mais qui es-tu? Mais oui. Qui es-tu, jeune dresseur? Toi qui bats tous les sbires de la Team Rocket. Ok, donc là, il n'y a pas de porte. Là, il y en a une. La carte magnétique. Okay. Wow, 3 objets, on se met bien. Du matériel. Rappel max, c'est inutile. Corde sortie, c'est pas ouf. Et total soin, ça c'est plutôt cool. La Team Rocket contrôle la Sivsar. Ok. Alors, Rocket veut se battre. J'appelle à Machoke. Alors on va faire tonnerre, on va plus en parler, moi je le lis direct. Ah si, on en parle encore un peu. Et du coup on va utiliser une attaque qu'on n'a pas utilisée depuis le troisième épisode. C'est à double pied. Soporifique. Allez, on est des bonhommes, on reste, on tape tonnerre. Par contre s'il a psycho, je pleure. Entrave. Ultima point. Ultima point, je m'en sers pas, parce que si je veux de la puissance de frappe, j'utilise mania. Donc ouais, s'il y a une attaque à virer, ce sera ultima point et... Et comment ça s'appelle? Et double pied. D'ailleurs, je vais virer ultima point, je vais mettre surf. C'est décidé. Il y a glucose aussi qui peut apprendre surf. Genre glucose, je peux en faire un monstre sur le plan spé, mais il est tellement mieux en attaque. Allez hop, chouette, on oublie l'ultime à point et on apprend surf. C'est pas trop tôt, j'aurais dû faire ça bien avant. Ici, on a un autre petit gus. Mes Pokémon sont mes soldats. On va faire une chanson. Il en a qu'un. Il fait appel à Electrode, attention. Attention à l'explosion. Bon, destruction, ok, c'est soldats, mais c'est vraiment des soldats, c'est de la chair à canon à ce niveau-là, tu les envoies au suicide. Tout ça pour ça. Et niveau 37. Ça, c'est cool. Non, mais Pokémon! Enfin, ton Poké. Alors, 37, on va mettre l'arnaque. Et on va continuer.
Donc j'utilise pas les téléporteurs parce qu'il me semble que je connais encore un petit peu le chemin. Ici, est-ce qu'on a affronté les gus? Je crois pas. Non. T'occupe pas de nos affaires. Donc il en a 3. Il a le Ratata. Niveau 28. Ça va, ça fait d'XP, c'est plutôt cool. Et de 1. Le surf, valeur sûre. Hypnomade. Ah là par contre c'est moins marrant. On va faire Dracorage. Ah, ici 40 PV maintenant à ce stade de l'aventure. À ce stade de l'aventure, ça fait encore le taf. J'aimerais bien que l'arnaque Ronflex apprenne Ultra Laser. Prenne Hidoking, pas forcément. Ratatak, Surf. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de Rafflesia? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Magneton? C'est la question que je me pose. Yaha, t'es trop fort. Eh ouais, je sais. Je travaille pour la Sif Star, que faire d'autre? Être dresseur Pokémon. Donc, bingo. La carte magnétique ouvre la porte. Et il me semble que c'est ce téléporteur-là qu'il faut prendre. C'est ce téléporteur. Mais on fait les autres dresseurs. On a besoin d'XP. Je préfère la Team Rocket à la Sipsarl. Ok. Mais c'est illégal. C'est clairement illégal. Scientifique fait appel à Electrode. Encore un qui va vouloir se suicider. Ok, on s'échange nos murs. On va faire Dracorage. Je sais que c'est pas forcément prudent de rester. Mais voilà, ça échoue. Il n'a pas d'attaque éclair. Quand bien même, j'ai une bonne défense spéciale, faut pas déconner. Il n'a pas fait l'explosion. Et l'arnaque niveau 37, apprends Hydrocanon s'il te plaît. Non. Smogogo. On va switcher. On va amener glucose. Détritus. Et on va faire force. Ouh. Ça fait des bons dégâts. Et ça passe en force. La petite blague. La petite blague. Ok. Donc, je l'ai eu. Voilà, tu me donnes ta thune. Il n'y a pas un petit objet ici. Non. Donc là, on est au... Oula. Là, l'étage 2. On va aller à l'étage 1. Étage 1. Étage 1, on a déjà affronté, non? Oui, toi, je t'ai affronté. Je les ai pas tous fait, par contre. Donc ça, c'est déjà fait. Mais si, je les ai tous affrontés, ici. Ok. Donc là, on va les soigner. On va vendre le rappel max. On va vendre notre trouvaille. Et on va retourner dans cette Sylph-Sarl. Genre t'as la musique tout de suite plus douce, Safrania, Astuce, ah non. La Super Ball augmente les chances de capture, faites un essai sur des Pokémon très vivaces. Ok, donc là on va se soigner aussi. On va se soigner. Merci, vos Pokémon sont super pêche. À bientôt. Ok. Là, je crois qu'on a récupéré Psycho. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on en a pas eu le besoin. Si, on l'a fait. Ça diminue également le spécial de la cible.
là, on va au shop. Et on va vendre quelques objets. Alors, on va vendre le rappel max. On va vendre la corde sortie. Oh, bon, tant pis. On va vendre le total son. Voilà. On vend nos objets. Après, la thune, c'est pas ce qui va le plus nous manquer dans ce... dans cette aventure. Enfin, on affronte pas mal de dresseurs, on récupère pas mal d'argent. À ce niveau-là, tu vois, ça va. On sait la gérer. On sait gérer notre argent. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous savez gérer votre argent. Alors, on repart. Étage 5. On prend pas l'ascenseur, on n'est pas des grosses feignasses. Étage 2, étage 3, étage 4, étage 5. Voilà, on reprend. Je suis l'un des 4 frères Rocket. Ah oui, il y a 4 frères Rocket. Je crois qu'on n'a pas encore affronté d'autres frères Rocket. Il y en a peut-être un qu'on a oublié à l'étage 3. C'est possible. Ça fait le mec qui réfléchit, tu vois, quand tu lèves la tête. Alors, Machoc, Surf. Voilà. Ensuite, Machopper. Le dracorage puis le surf, chaque chose en son temps. Gros yeux, vraiment le fait d'avoir pris l'arnaque et d'avoir un Nidoking en début d'aventure, ça aide clairement, on va pas se mentir. On a encore ces deux Pokémon là, c'est les deux plus anciens et pourtant c'est les deux plus présents. Et oui, au secours, pitié, moi. Regarde-moi ça, quel froussard! Il s'est chié dessus! Je vérifie les rubos. Les bureaux. Voilà. Le mec a voulu faire une blague, mais ça marchait pas. La Team Rocket veut dominer le monde avec des Pokémon. On continue notre petite escapade. Alors. On est niveau 37, 37, 35. Moi, on va remettre Newton. On va remettre Newton et Pétale. Quel porc ce PDG! Il a... ah mais... il a décidé de muter au siège de Trifouli. Eh oui, nouvelle région confirme. Confirmed avec Trifouli. Bon, d'accord, j'arrête. Désolé. Bref, ces dialogues me surprendront toujours. Ah, s'il peut éviter quelques destructions, on va pas se plaindre. On va spammer ça un temps. Allez, Sonic Boom. Je sais pas combien ça va retirer. Mais après, s'il évite, s'il rate ses attaques, moi ça me va. Parfait. Ensuite, Smogo. Ouais, je devrais faire éclair là, je suis bête. Eh oui! Manque d'inattention, il dit que je suis à moins 2 en défense. Voilà, là ça fait le taf. Là je préfère. Il en a 5, Magneton. Heureusement que je me suis mis à plus de en esquive parce que bon. Comment dire, le voir spammer ultrason, ça va pas être marrant. Eh mais ça a quand même pas mal de PV Magneton. Niveau 25, c'est dire qu'il a plus de 80 PV. Alors que moi je suis à 88, j'ai 10 niveaux de plus. Peut-être... j'ai envie de dire une petite couille dans le pâté là. Magneti. Après c'est intéressant ça, reflet avec Magneton.
C'est vrai que dans un Nuzlocke, le fait de pas pouvoir prendre les attaques, ça reste ouf. Ah, enfin il touche, il doit se dire putain. Il joue avec reflet, mais pour qui il se prend? Ok. Il en reste un, c'est Smogo. On va finir cet étage là et on va s'arrêter là, coup critique. Il veut vraiment que je termine les épisodes dans les temps. On va finir cet étage là et on va se laisser ici. Et bingo, on va récupérer quelques objets supplémentaires. Un PV plus, ouais, bon. Le PV plus, on va le donner à Ronflex. Bon, la vie qui n'a pas du tout augmenté, mais c'est pas grave. Et le précision plus, ouais. Bon. J'ai envie de dire poubelle. On va pas s'embêter avec ça. Adieu, précision plus. Ce petit côté tragique pour rien. Ah, un dresseur en plus. On va pas partir tout de suite. On va pas partir tout de suite. Encore un petit sbire. Avec... Ne sera un petit parfait. Éclair. Et de 1. Et de 2. Attention. Et bientôt de 3. Avec Nosferatu. Attends, on a quasiment 10 niveaux d'écart, même si c'est clair, ça tue. Voilà. C'est ça qu'on apprécie. Rebelle et vilain. Ok, donc on va se laisser ici, 5e étage, on se retrouvera au 5e étage. La prochaine fois, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, ça me permet de montrer, enfin, de voir, ça vous permet de me montrer, eh bien, si vous aimez toujours autant la série, et on se retrouve très très vite. C'était Sycomore, tchuss tout le monde, et à la prochaine, bien.